Je m'appelle Faouzia Zouari, je suis originaire de Tunisie et je suis en France depuis à peu près une quarantaine d'années. Je suis écrivaine et journaliste. Je me souviens que j'étais amoureuse de mon professeur de français quand j'étais au collège. Et en fait, je me suis trompée. J'étais beaucoup plus amoureuse de sa langue que de lui-même. Et j'ai fait une confusion pendant des années. Je l'ai compris bien plus tard. Le mot passion. Mon écrivain fétiche, c'est Flaubert. Et mon personnage fétiche, c'est Madame Bovary. Voilà, le grand livre que j'ai lu et qui m'est resté jusqu'à maintenant, à partir duquel, à mon avis, j'ai appris la littérature. Tout cela symbolise, mais peut-être que je trouverai comme mot peut-être, parce que ça m'a appris à penser dans le doute. Je pourrais faire une distinction entre la langue arabe et la langue française, bien que les langues, à mon avis, se distinguent chacune par sa spécificité. Disons que la langue arabe reste quand même une langue sacrée, parce que c'est la langue de Dieu, et je dirais le français est une langue profane et laïque.